Eh bien, je m'appelle Ahmed Laouej, je suis sénateur socialiste. Je siège depuis 2010 au Parlement fédéral. Je suis aussi conseiller municipal, conseiller communal dans une des 19 communes qui composent la région bruxelloise. Mais que la ville de Bruxelles commémore les 50 ans de l'immigration marocaine, c'est évidemment un message très fort. Un message très fort qui vise à rappeler une seule chose, c'est que toutes ces personnes qui sont issues de l'immigration marocaine, et au-delà de l'immigration marocaine, l'immigration algérienne, tunisienne, subsaharienne, sont aujourd'hui des citoyens, des citoyennes à part entière de Belgique, et en particulier en région bruxelloise, où comme vous le savez, les enjeux du vivre ensemble et de l'interculturalité sont des enjeux fondamentaux. Mais la francophonie est en effet un élément de rapprochement entre toute une série de personnes qui ont en commun non pas simplement une langue, mais aussi une culture et un passé commun. Un passé parfois difficile, un passé au contraire parfois bien réjouissant. Mais ce qui est important, c'est de voir l'avenir et de dresser les passerelles, de dresser les ponts qui nous permettront de nous rapprocher tous ensemble vers des objectifs communs de prospérité et de solidarité. Et dès lors, pour une chaîne de radio comme la vôtre, une chaîne de télévision, aussi parce que vous êtes aussi sur les médias audiovisuels comme Beurre FM, évidemment l'enjeu est capital parce que vous êtes des porteurs de tout cela, vous êtes un média, autrement dit une de vos missions, une de vos fonctions, c'est de rapprocher les gens, de faire connaître leurs idées, de faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer à travers vous, qu'il y ait des espaces de débat, de réflexion, de divertissement aussi, bref de nous aider à faire vivre ce gros enjeu euro-méditerranéen et francophone. TV.